gerbe. Où tu l'as eue? Pourquoi? Tu en veux une? Batte comme pierre. Éloigne-toi de lui. Laisse-moi faire. Tu m'as drogué. Tu m'as... Loïs, mon fils. D'abord Krypton, puis Métropolis. Tes proches ont tendance à sauter, pas vrai? Superman, non! J'aime ça chez toi, Superman. Tu es bien plus naïf que... Tu penses pouvoir avoir fermé, va me changer comme par magie, me changer comme par magie, et qu'elle sera en sécurité. Si grand, si bête. Fichez le camp, que je puisse sortir de là. J'ai encore énormément de choses à faire. Ça suffit! Wonder Woman, Aquaman, finissons-en. Je dois aller à la tour de garde. Avant que Luthor ne nous envoie autre chose. Nous aurions dû combiner l'assaut. Clark oublie parfois qu'il ne peut pas tout régler seul. Interromps le divertissement de ce soir, Raven. Je déteste la violence, Luthor. Mais je te trouve encore pire. Je pensais que t'aurais arrangé tout ça. Je m'appelle Cyborg, pas Monsieur Miracle. Nightwing à Batman, t'es là? On a besoin de toi. Je vais d'abord à Arkham. Je vais voir si Luthor ne l'a pas fait sortir. Plus tard, on est en train de dérouiller, là. Je me dépêche, Dick. On l'a surveillé de près, Batman, comme vous l'aviez demandé. Ça fait des heures qu'il n'a pas bougé. Bon sang, mais qu'est-ce que c'est que ça? Comment le Joker a fait? Ce n'est pas lui. Le vrai piège. Et derrière nous. Tu es si malin. Non.
Et le pantin de Luthor, Deathstroke? Il paye bien. Et en prime. J'ai le plaisir de tuer Batman. Désolé, Deathstroke. Pas de prime pour toi. Batman à tour de garde. À vous. Nightwing. Shazam! Green Arrow, c'était quoi? La colère des dieux, Flash. La colère des dieux. Et on devient quoi? Les pauvres diables qui font le ménage. Bien, s'il n'y a plus rien pour nous interrompre. J'ai mis presque 2 minutes à craquer ton code. Beau travail. Bane. Sparrow, mucho tiempo para esto. Je vais te briser le dos. Bane, Catwoman, Grundy. Tu es tout seul, Luthor. Les génies le sont souvent. Les psychopathes dans ton genre. Les héros, vous êtes tous les mêmes. C'est encore moins impressionnant de près. Ma patience a des limites. Tu t'es décidé à jeter tes jouets. Je vais t'apprendre l'humilité. Et c'est ça, génie. Superman, au rapport. C'est terminé. Les autres finissent. J'emmène Doomsday dans l'espace. Assure-toi de l'emmener assez loin. Qu'est-ce que c'est? C'est l'alarme, occupe-toi de tes affaires. Radiologique, Métropolis. Je vois déjà les gros titres. Les justiciers échouent, le clown fait un massacre. Tu lui as donné une ogive? La Ligue disparaît, et la ville bien-aimée de Superman est réduite à néant. Je consolerai bien la plèbe en offrant de la rebâtir à mon image, bien sûr. Il avait fini. Ici Batman, code rouge, tous à vos coordonnées, vite! Crâne d'œuf m'a dit de penser à... Oui, voilà. Monsieur J, ça marche! Oh. Retourne dans le van, Harley. Batman et moi avons à parler. Mais, Pudding... Oh! Pars! Tu n'as rien à faire ici.
Batman, ma pomme frite, mon choupinet. Je savais que ce naze de Deathstroke ne t'aurait pas. Dommage pour toi. Qu'est-ce qui te prend? Je n'ai qu'à la mettre en marche. C'est de ce bouton que tu dois te méfier. Les voilà. Occupe-le, Chris. Ne nous attends pas, Barry. Fonce! Si tu appuies, il y aura 8 millions de morts. 8 millions d'eux, l'ami. Je voulais profiter de ce petit feu d'artifice à bonne distance, mais puisque tu es là, m'accorderais-tu cette dernière danse? Ce truc. C'est sûrement de ta faute. Metropolis, et pourtant. J'étais peut-être trop sentimental avant. Ce sera bien mieux sans toi. Ne bouge plus. Et reste tranquille. Des insurgés? Juste de la racaille. Comme ce crétin du clan de Joker qu'on a presque eu. J'arrive toujours pas à croire qu'on ait perdu Batman. Ouais, faudrait pas que le grand patron l'apprenne. C'est un cauchemar. Gotham, si on veut. Alors, déplacement temporel, monde alternatif? L'un ou l'autre. On est peut-être dans une autre dimension, où les événements de notre réalité ont changé et on est dans un nouveau présent. Il faut tirer ça au clair. Et vite. Si la bombe du Joker a explosé, on doit y aller. La tour de garde devrait avoir relevé des anomalies, non? Elle n'existe peut-être même pas. Je n'arrive pas à la joindre. On doit le découvrir. Je nous y emmènerai une fois ma bague rechargée. Les archives d'Atlantis. Si c'est une autre réalité, on peut y trouver la trace de l'événement déclencheur. Si Atlantis existe... Ça vaut la peine de vérifier. Allons voir ce qui se passe là-bas tous les deux. Anno, où est la batterie la plus proche? L'aéroport de Ferris, à Coast City. Ah, au moins ça n'a pas changé. Reste à couvert, je reviens tout de suite. Tu as dit que la batterie était où? Bureau de Carol Ferris, à gauche au prochain hall, troisième porte à droite. C'est la quatrième porte. Ah! T'es costaud, dis donc. Je n'ai pas peur de toi, gamin. Si tu as peur, je peux le sentir. Raven? Cyborg?
C'est ta toute dernière chance d'accepter l'amnistie du haut conseiller Devstrock. Être rééduqué par votre programme et devenir une marionnette, comme vous. Le patron est généreux, mais pas moi. La plupart des titans sont morts à Métropolis il y a 5 ans. J'ai rien à voir là-dedans. Peu importe, tu restes du mauvais côté de la loi. Va dire ça à ton patron. C'est ça, vos méthodes? T'es redevenu vert. Quelque chose cloche. C'est Hal Jordan. Mais... Reculez! C'est terminé! Ce n'est pas le nôtre. Tu sens sa douleur? Pas encore. Quand on en aura terminé avec lui, si on allait parler au Haut Conseil de tous les trois... Assez! Qui que tu sois, je t'arrête! Je dirais que je n'aurai plus à subir son insolence. Bon, qui est ce haut conseiller, celui qui a fait de toi une brute de seconde zone? Tu vas voir la seconde zone. Toi, parlez, maintenant! Ok. Parlons des ennuis dans lesquels tu t'es fourré. Et du traitement que je réserve à ta sale tête. Je vais t'éclater. Pont de corps. Ma tête est toujours là. Sale vermine. J'aurais dû me tuer. Lâche-moi! Non, je ne suis pas avec eux. Qui que tu sois, ils te connaissent. Ils t'attrapent, et toi, t'as le cran de refuser leur amnistie. Pour qui travaillent-ils? Qui pourrait bien tenir des métas comme eux en laisse? Hal, tu es là? Hal! Wonder Woman. Reviens ici de toute urgence. Sinestro est là. Sinestro? Il attaque les citoyens qui sont... J'arrive. Je dois recharger mon anneau. Et toi et moi, on va faire un petit tour. Je serai heureux de voir Green Arrow mourir à nouveau. N'est-ce pas, princesse? Wonder Woman, Green Arrow et Hal Jordan. C'est de mieux en mieux. Tu m'amuses, Jordan! Prends ça, Sinestro! Opprimer ta planète natale ne te suffit plus, Sinestro! Le gouvernement de Terre Unie est similaire au mien sur Korugar. Une alliance était logique. Pour l'instant, je tolère les humains. Même Hal Jordan. Alors mon double a bien rejoint ton camp. Comme tous ceux qui souhaitaient vivre. Refuse d'être arrêté. Encore. Ça va? Hal! On m'a appelé? Tu es avec Sinestro? Sinestro a raison.
La peur est plus puissante que la volonté. Alors exit le vert et bonjour le jaune. La couleur des lâches. Je prône toujours l'ordre, comme les gardiens. Ils doivent être fiers de toi. C'est facile de jouer les saints quand on ne sait pas. Arrête. Je vais me botter les fesses. Faites mon travail. Je vais te faire taire. C'était bizarre. Et un peu perturbant. Ouais, tout ce jaune, ça fait mal aux yeux. Nous devons partir. Se cacher de la police? Il n'y a personne de bon ici? Peut-être bien que si. Toujours rien? La signature énergétique du parc n'est pas dans la base de données. Et si je vibrais à la même fréquence que cette signature et que je les suivais? On ne sait pas s'ils sont allés dans un endroit dangereux. S'ils sont allés quelque part, Superman a raison, c'est trop risqué. Dommage que je n'ai pas été assez rapide pour les attraper au départ. On les trouvera. Il le faut. C'est un plaisir rare, Votre Altesse. Je veux connaître le gouvernement de la surface, histoire et structure actuelle. Ah, pour les négociations du traité avec le Haut Conseiller. Oui, la discussion du traité. Je crains que nos ressources ne soient limitées. Superman s'est montré peu enclin à dévoiler les secrets de son gouvernement. Dis-moi ce que tu sais. Raconte-moi le déroulement de son ascension. Un rappel exhaustif pourrait mettre en lumière des perspectives de négociation. C'est un honneur, Sire. Il y a 5 ans, le criminel du nom de Joker a poussé Superman à tuer sa femme et l'enfant qu'elle portait, et à détruire par la même occasion la ville de Metropolis. Fou de chagrin, Superman a tué le Joker. Oui. Tout le monde se souvient de ce jour comme si c'était hier. Il n'a ensuite plus montré aucune retenue. À la fois juge, juré et bourreau, il a rapidement éliminé l'élément criminel, assisté des quelques métahumains qui soutenaient sa cause. Ce qui l'a rendu plutôt populaire. Le monde de la surface avait besoin d'une autorité forte. Superman a donc assis son pouvoir. Il a créé le gouvernement Terre Uni. Les institutions démocratiques ont été balayées. Sire, les émissaires du Haut Conseiller vous attendent dans la salle du trône. Flash, Shazam, bienvenue. Votre Altesse, ravi de vous rencontrer. Et d'être les premiers habitants de la surface à voir Atlantis. Oui, nous devons parler de choses importantes. Le traité. La version finale. Superman est ravi que vous l'ayez accepté. Vous permettez ? Y a-t-il un problème, Votre Altesse? C'est un asservissement total. Superman régnera sur Atlantis. Vous étiez d'accord. Nous étions d'accord. Vous me menacez? Faites attention. Nous avons des ordres. Allez dire à Superman qu'il n'aura jamais Atlantis. Je ne plaisante pas.
Maudits soient vos ordres. Ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Je veux parler à Superman. On ne parle pas à Superman. On fait ce qu'il ordonne. Et tu vas tenir tes promesses. Je suis la force d'Atlantis. Vous faites de piètres diplomates. Le voilà, Sire. Eh bien, c'est la dimension parallèle. Qui t'envoie, usurpateur? Manta? Ocean Master? Je suis le roi d'Atlantis, et je n'obéis à personne. Contrairement à toi. Surveille ta langue. Tu donnerais ton royaume comme une vieille paire de chaussettes à un habitant de la surface? Le traité oblige Superman à préserver les océans de la Terre et reconnaître notre indépendance. Tu mets ton armée à son service. Une concession nécessaire. Ou plutôt un apaisement. Je suis las de tout ceci. Emmenez-le. De proposer mon aide, mais j'ai changé d'avis. Par Neptune! Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Abdique, tu n'es bon qu'à ça. Parlons maintenant des réformes de la politique étrangère. Tuez-le! Quoi encore? Ils ont tendance à frapper d'abord, n'est-ce pas? Mais j'ai peut-être un peu attisé les flammes. Arès, que fais-tu ici? Je me nourris des conflits. Jusqu'à aujourd'hui, je jeûnais. J'ai senti le retour des tensions et cherché la source. Tu as fait plus. Tu nous as conduits ici. Non, mais je sais qui l'a fait. Ma flamme n'a pas besoin d'être attisée. Dis-moi qui. Tu penses pouvoir me commander? Exact. Et tu vas m'obéir. Tu es faible, Arès. Le règne de Superman ne laisse aucune place au conflit. Il m'a presque privé de mes pouvoirs. Si tu ne nous as pas amenés ici, alors qui ? Ceux qui refusent le règne de Superman. Les insurgés. Des héros? Un seul. Les autres héros qui ont défié Superman ont été éliminés. Il les a tués. Et les seuls survivants sont ceux qui l'ont rejoint. Ainsi qu'un petit nombre d'anciens criminels, dont l'allégeance a été achetée ou forcée. Je dois contacter mes amis.
Ils sont avec les insurgés en ce moment. Envoie-moi près d'eux. Comment t'es venu ? Arès. Pas notre Arès. On sait. Voici leur Batman. Je me demandais comment te faire revenir d'Atlantis. Migraine ? J'essaie de l'éviter. C'est un améliorateur de résistance. 5U93R. Comment une pilule peut... Technologie kryptonienne. Elle augmente la force de tension des os et des tissus de plusieurs milliers de pourcents. Il te dira le reste plus tard si tu as du mal à t'endormir. Il a emprunté la recette à Superman. Il la donne à ses larbins. Oui, j'ai rencontré quelques doubles maléfiques. Pas maléfiques. Ils obéissent à Superman par crainte. Ou parce qu'ils le croient et qu'ils ont perdu tout recul. Alors il ne reste que toi. Pas tout à fait. Qu'est-ce qui se passe ? Comment as-tu survécu ? Il est avec moi. Contrairement à votre Luthor, je ne suis jamais devenu un criminel. Superman est loin de se douter que son meilleur ami finance l'insurrection. Le rôle de Luthor est un secret. Les gens qui s'opposent à Superman disparaissent. Hommes politiques, activistes, journalistes. Maintenant que nous sommes ici, dis-nous pourquoi tu nous as choisis. Et pourquoi tu n'as rien demandé avant de nous enlever ? On était occupés. La bombe nucléaire, elle n'a pas explosé. Votre transfert l'en a empêché. Comment tu sais pour... Voilà un moment que nous surveillons votre monde. Vous quatre en particulier. J'ai une arme pour neutraliser Superman. Un laser alimenté par la kryptonite qui... Attends, une arme à kryptonite ? Si tu le tues, tu ne vaux pas mieux que lui. Je n'ai pas parlé de le tuer. Elle le neutralisera, rien de plus. L'arme est dans la Batcave. J'ai besoin de votre ADN pour la déverrouiller. Le collier fonctionne. Bien. La rééducation n'aurait pas eu d'effet sur lui. Tu ne veux pas que je reste ? Cal, je sais que tu n'as pas perdu ta super Wii. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Avec nous ? Bien sûr. Je n'essaie pas de la remplacer. Je pensais juste... Je sais. Vas-y, je vais bien. J'y vais. Je voulais simplement te dire que Lanterne... En chemin ? On dirait que ma super Wii fonctionne. Au conseiller, j'adore le style de Diana. On a un problème. J'ai rencontré le double de Diana. Et quelqu'un qui ressemblait beaucoup à Oliver Queen. Et à Hal Jordan. Trouve-les. Et tous ceux qui pourraient les accompagner. Je veux tout savoir. Chouette balade. Tu es vraiment drôle. C'est sûr que la bande vit bien par ici. C'est vrai, il pourrait être mort. Oh, respectez la loi ! Je t'en foutrais. Intéressant. Ma réputation me précède. En plein dans le buffet. Non, ne pars pas. La ferme gloupe. Oh, tu t'es fait mal à ta petite jambe. Et si on te brisait le cou aussi, tant qu'on y est.
C'est fini, bouffon. Pas encore. Et maintenant, ma chère petite chauve grimace, mettons un sourire sur ce visage. On ne peut pas précipiter un si beau moment. Ne va pas t'amuser sans moi. Batman, ça fait un bail. Lève-toi. Allons-y. Je ne crois pas au girl. Et je n'ai pas ma caméra. J'aurais pu faire 10 millions de vues. Pied droit. Parfait. Oui. Superman, bonne nouvelle. On a capturé Batman. J'arrive tout de suite. Oh, il me manque déjà. Bon, j'en étais où avant d'être brutalement interrompu? Truffé de plomb. Harley? Arlene. Mon petit doigt m'a dit qu'un taré s'était habillé en Joker et qu'il affrontait un pseudo-Batman. Tu as le style et beaucoup de cran. Ce que tu n'as pas, c'est le droit. C'était un héros. Tu ne mérites pas de lécher ses pompes funèbres. Harley, c'est moi, le Joker. Regarde, c'est écrit là sur mes sous-vêtements. C'est pas drôle, taré. Personne ne fait semblant d'être Monsieur J. Ah, ça c'est drôle. C'est de la bombe. Tiens-moi ça. Rends-le-moi. Est-ce qu'on est calmé? C'est toi. Ta façon de bouger. Ta façon de... frapper? Eh ben... oui. C'est l'amour. Tu as senti l'amour, non? Je me sens... à nouveau moi-même. Le Joker est mort, mais... tu es... Ce n'est pas ma Gotham, mais je suis le Joker, ma chère. Suis-je ton Joker, Harley? Pudding! Oh! Il y a des gens que je dois te présenter! Pudding! 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 Ok, Bruce, tu as de la visite. Un coup de peigne. Beau travail, Al. Comment as-tu... C'est pas lui. Quoi? Son ADN est celui de Bruce Wayne, mais pas ses signes vitaux. Tu es l'un des doubles. Dis-moi ce que tu fais là. J'adore ce que tu as fait de cet endroit. Arkham n'a jamais été aussi beau. Chers membres du clan du Joker, vous connaissez la vérité sur l'incident de Metropolis. Superman a tué tous ces gens, puis il a voulu me tuer, moi. J'admire tout ce que vous avez fait en mon nom. Perturbation, diversion, ces épines plantées dans le derrière de Superman. Mais voyons les choses en grand. Quel génie!
Harley m'a dit que Superman a fait cette pilule pour ses petits copains. Puis les insurgés de Bat Boy l'ont eu. Aujourd'hui, nous l'avons aussi. Avec ça, un bus peut nous rouler dessus et on ne sentira rien. Nous tenons le gag ultime. Désormais, nous serons plus qu'une nuisance. Le petit roquet va devenir un rhinocéros enragé. Le coussapeteur, une mine. Le Joker, un roi. J'aurais dû mourir. Merci, petite pilule. Revenu d'entre les morts, ce costume était mieux sous terre. Ce n'est pas mon 31, mais il est confortable. Et pratique. Oh ah. Je vais me faire le plaisir de te livrer à Superman. Oh, pas ce soir, chérie. Tu as la migraine. Ah hop, donc je suis. Charmant enfant, si on fait abstraction des plumes. Joker. Alors le Batmios a rejoint Superman. Dis-moi, lequel a les bottes les plus coûteuses ? Batman est un criminel, tout comme toi. Rien à voir. Alors, tu es un héros dans ton monde ? Oh non, mon petit. C'est juste que Batman corrompt les jeunes esprits, alors que... les extrait de leur crâne. Tiens-moi ça ! Rends-le-moi ! Je dois dire à Batman qu'il y a un deuil dans la famille. On est en sous-nombre, pardon. Tu peux éteindre ça, maintenant. Merci d'être venu aussi vite, Batman. Salut, les gars. On fait quoi, maintenant? Quelqu'un veut des pancakes? Joker. Quoi? Ah! Pourquoi? Elle n'aime pas les pancakes? À quoi est-ce que tu joues, Arlene? Qu'est-ce qu'il fait là? Monsieur J peut nous être d'un grand secours. Alors, tu nous as suivis dans notre petite expédition. Et je suppose qu'il n'est pas arrivé tout seul. Où est Batman? En voilà un. Juste là. Ah! Ah! Tes yeux... maléfique, comme les siens. Qui ? Superman ? Ses copains volants ont pris Batman. Mon Batman. Notre Batman. Tais-toi, ou je te menotte et je te livre à la police. Alors pourquoi tu m'as aidé à la fuir ? Aïe ! Si Batman a été capturé, on doit le libérer. Pour libérer votre Batman, on doit terminer notre mission. Ouh, j'adore les missions. Négatif. Vous devez faire profil bas. Vous êtes une cible à présent. Puis vous êtes trop dangereux en liberté. D'autres arriveront bientôt. Partez, je vous rejoindrai. Je ne t'aime pas. Vous les avez trouvés ? Une dimension parallèle. Maintenant, comment est-ce qu'on y va ? On n'y va pas. On les attire ici. Sans risquer une expédition. Bien. Mais le problème est toujours le même. Comment faire ? Avec ça. On va modifier mon tapis roulant cosmique et les ramener tous d'un coup.
On a du boulot. Magnifique, n'est-ce pas? La lune, ou son reflet lumineux sur ton crâne chauve? Merci d'être venu. Tu es enfin prêt à rejoindre le club? Les affaires vont mal, et je suis chassé. Après tant de refus, pourquoi maintenant? C'est devenu personnel. Ça a dû être une sacrée fête. Superman a fait ça? Il a dévoilé mon identité et gelé tous les biens de White Tech. Il a fait disparaître Bruce Wayne. J'arrive pas à croire qu'il soit fou à ce point, même avec ce que le Joker a fait. Dans son esprit, il a détruit Metropolis. Je ne piche pas. Le Joker a agi sur l'esprit de Superman pour lui faire croire qu'il combattait Doomsday. Mais c'était Lois. Non. Il a relié le déclencheur au cœur de Lois. Lorsqu'elle et le bébé sont morts, Metropolis est morte aussi. Superman était vulnérable. Peut-être pour la première fois de sa vie. Sa peur a gagné. Green Arrow est mort en essayant de lui expliquer. Changeons de sujet. C'est quoi cette sécurité? Je veux dire, il a déjà tout détruit. Tu prendrais le risque avec moi? Je dois relancer le générateur auxiliaire de la Batcave. Viens avec moi. Vous trois, sécurisez l'entrée de la Batcave. Elle est dans le bureau. C'est super tout ça, mon grand, mais... c'est ton problème, non? Ça nous fera gagner du temps. Et tu es le mieux placé pour détruire les canons de surveillance automatiques. Très bien. Opération tonnerre de l'aigle foudroyant. Bref, c'est parti. Par ici. Froid. On dirait que la pilule indestructo marche. Oh, pour l'amour de... Lanterne, grand slam! Amusez-vous bien! N'allez pas dans la rue! Stupide Amazon. Thank you.
C'était pas sympa, Blanche-Neige. Tire à l'arc, Katana. Tu la fermes jamais? Un mardi sur deux. Je pensais que ça me réchaufferait. Qu'est-ce que j'ai raté? Tout roule? Frosty, comment va Grundy? Il nage. En orbite. Tu plaisantes. Grundy est un zombie, ça ira. Allons-y. Superman ne mettra pas longtemps à nous repérer. Alors il te faut une sorte de scanner pour t'aider à identifier les doubles. Exactement. Voilà les données du double de Batman que je détiens à Stryker. C'est utile, mais ça prendra quand même quelques semaines. Tu y arriveras, comme d'habitude. Content de pouvoir t'aider. Pas de dîner ce soir. Stéphane a reçu une livraison de ce bœuf du Kansas. La prochaine fois. C'est... double. Tu crois qu'il y a une Loïs, là d'où ils viennent? Il n'y avait qu'une Loïs. J'ai jamais vu la Batcave. La nôtre, en tout cas. Ça va être... intéressant. Comment as-tu pu cacher ça, Superman? Il semble avoir cherché partout. Les murs de la grotte contiennent du polymère de plomb. Il n'a pas pu trouver ce qu'on vient chercher. Ça doit être bon pour l'environnement. Tu t'es donné beaucoup de mal. Entre ça et l'ADN. Je ne pouvais pas décider de neutraliser Superman tout seul. J'ai donc mis l'arme dans un coffre qui ne s'ouvre qu'avec le prélèvement simultané de l'ADN des alliés proches de Superman. Nos fameux doubles. Mon Green Arrow étant mort, et les autres soutenant la folie de Superman, j'avais besoin de vous, de votre ADN. C'est par derrière. Lanterne. Celui-là. Un rocher? Tu comptes lancer un rocher sur Superman? Sur les scanners. Jaune. Ordinateur, lance la reconnaissance. C'est bon. Allons-y. Baisse ta garde à tes risques et périls. Notre Green Arrow était tout aussi arrogant. Et certainement aussi beau. Thank you.
Autre chose, notre Wonder Woman est bien plus belle. Arthur! Ça suffit, Adam. C'est fini. Tu parles un peu trop vite. Ah 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 J'aurais dû m'en douter. Il ne peut en rester qu'un. Ouais, mais c'est moi qu'il faut battre. Sans armes! Tu n'es pas mon égal. Attention! Et 4 avec Sparky. Merde. On peut le réparer? La kryptonite est intacte, mais le résonateur optique est irréparable. Même avec Luthor, on ne pourra pas en fabriquer un autre assez vite. On va avoir besoin d'aide. Prêt pour le test? On ne peut plus près. Système activé. Je suis connecté. Flash, t'es prêt? J'y suis. Ok, on y va, c'est parti. La plateforme devrait verrouiller leur signature et les ramener. Ça y est, je résonne à la bonne fréquence. Ça se passe comment? Champ de confinement ok, mais les niveaux s'affolent. Cyborg, coupe tout! C'est bon, je jette! Ça, c'est génial. Je sais pas si je dois me mettre une tape dans le dos ou un coup de pied. LexCorp fournit l'équipement, mais on manque de main-d'œuvre. Le clan du Joker est dangereux, ingérable. Le chaos qu'il sème nous est utile. Il nous faut plus que des pions si on veut éliminer Superman. C'est tout ce que je voulais entendre. Je croyais que cet endroit était sûr. Occupe-le. Avec plaisir. Pour moi, Slade. Si seulement les autres titans voyaient ça. Qu'est-ce que t'en dis, Cyborg? La même que toi, mais en mieux. Ce qui compte, c'est l'homme, pas la machine, Luthor. Problème de garde-robe. Du calme, Cyborg. Batman? Bienvenue à Oz, homme de fer.
Ok, j'ai loupé un truc. C'est une longue histoire. Il a pris un grand risque en revenant ici. Pourquoi ? Je dois les débusquer. Vite. D'accord. On emprunte ton transporteur et on répare le laser dans notre monde. Et revenez avec des renforts. Je suis sûr que je peux... On n'a pas le temps. Il y a 5 ans, un tragique événement a fait des millions de victimes. Accablé par la culpabilité d'avoir joué un rôle dans ce massacre, il est devenu fou. C'est devenu un agent du chaos, un ennemi de la paix et de la sécurité. C'est terminé. Le chef de l'insurrection va payer pour ses crimes. Oh, j'aime pas ça. À 18h, heure locale, Batman sera exécuté sur l'île de Stryker. Que Rao ait pitié de son âme. Les renforts devront attendre. Le sauvetage de Batman est notre priorité. C'est un piège. Évidemment. Alors on va devoir être plus malin. Malin comment ? Le téléporteur de la tour de garde. Stryker est équipé de dispositifs anti-téléportation. Il ne couvre que le bâtiment. Il suffit de faire sortir Batman. Droit dans un mur de briques. J'en suis. Il faut une diversion pour tenir Superman occupé. Je m'en occupe. Je prendrai le téléporteur. Je suis le plus qualifié pour ça. Et... je peux infiltrer leur rang. Je te suis. Toi et moi, travailler ensemble ? Même pas en rêve. Le seul accès à la tour de garde depuis la Terre est le hall de justice. Et si ta couverture éclate, tu auras besoin de renforts. Je te demande pas la permission. Mais tu suivras mes ordres. Les communications devraient être par là. Redirige-les comme prévu, et je récupérerai les codes du téléporteur. Et quand t'as fini, assure-toi de... C'est pas ma première sortie, je connais le plan. Alors suis-le. Quels que soient tes griefs contre mon double ici, je n'y suis pour rien. J'ai téléchargé ton dossier. T'as essayé de tuer des titans dans ce monde. Seulement quelquefois. Alors ne t'attends pas à ce qu'on devienne amis. Sois au téléporteur dans 15 minutes. Pas maintenant. Salut, Victor. Salut. Tu serais pas malade ? Non, ça va. C'est bon pour ce soir ? Désolé, je dois annuler. Nouvel ordre. Et depuis quand ça t'arrête ? Ouais, on a passé... du bon temps. Non, jamais. Tu es l'un d'entre eux. Voyons si je peux trouver ton bouton off. Cyborg à Wonder Woman, j'ai trouvé un double de moi. Compris. J'envoie des renforts. Wonder Woman terminé. T'en fais pas. Je pirate juste ton réseau neural. Et si je te retourne à la traveur ? Je
des hommes. Ça me va. Te tiens là. Tu vas perdre le match. Merci pour l'info, coach. Broyer, cette position ne me va vraiment pas. Tu l'as eu avant moi. Encore un contrat perdu ? Celui-là était personnel. Je croyais que rien n'était personnel pour toi. C'est devenu personnel quand il m'a torturé. Ça y est, j'ai le contrôle du téléporteur. C'est un peu trop facile. Quand ton cyborg a voulu pirater mon réseau neural, il a exposé ses protocoles de sécurité. Tu as volé son mot de passe. Je crois que tu commences à me plaire. Et où tu vas? Le plan était de rester... Ce sera pas long. Je sais pas. Il a dit que c'était bien, et moi, ça m'a suffi. Ouais, je me suis demandé. Et si ce qui est arrivé à Loïs arrivait à Iris? Au départ, c'était logique. Les méchants avaient ce qu'ils méritaient. Mais là... Superman ne va pas vraiment tuer Batman. C'est un appât. Pour attraper le vrai Batman. Et après? Tu as oublié ce qu'il a fait à Green Arrow? C'est pas normal. Le téléporteur ne marche pas. Tu voulais aller quelque part? Comment tu... Tu vas perdre, héros. Qu'un gamin. C'est l'heure de payer. Deathstroke. Pas ça! Ce n'est pas ce que je fais. Mais ce que j'ai fait. Final approche, et tu es aux premières loges. Il faut qu'on s'en aille. Qu'est-ce que t'as fait? Le réacteur est foutu! Règle d'or de la guerre, éliminez le commandement. Ce satellite est la clé du régime de Superman. Bon sang, t'as compromis toute la mission! C'est Superman ma priorité, pas votre Batman. Batman, ici Cyborg. On a la tour de garde, mais on a un problème. Le réacteur va exploser. Tu peux l'empêcher? Il est incontrôlable. Vous avez 90 minutes. On est bientôt prêt. Batman, terminé. Je dois téléporter tout le monde. Beau travail, messieurs. Je suis occupé, Luthor. Qu'est-ce que tu veux? J'ai besoin de Deathstroke. Pourquoi? J'ai appris que Ferris Industries a un prototype technologique qui pourrait me permettre de réarmer la kryptonite de Batman.
Vous devez me l'apporter. Est-ce que Batman est au courant? Non, il aurait insisté pour utiliser l'arme lui-même. Je dois le faire. Batman est le visage de l'insurrection. S'il meurt, elle meurt avec lui. Lex Luthor risquant sa vie pour sauver Batman. J'aimerais y croire. Envoie-moi les coordonnées. Harlin, dis à tes hommes d'être prêts. Occupez les forces de l'ordre autant que possible. Oui, Batchef. Je m'en occupe. Oui, Batchef. Puis-je porter vos vêtements au pressing? Nettoyer la Batmobile? Ah, enfin libre. Il va me tuer. C'est pas de lui que je m'inquiéterai. Mon ange. Allons-y. Il doit pouvoir le réparer, mais ça peut prendre du temps. Une partie du panneau de contrôle était conçue pour fonctionner avec les implants du cyborg. Nous devons essayer, Barry. C'est peut-être leur seule façon de rentrer. Dépêche-toi, Frost. Je suis attendu chez Stryker. J'ai découvert des anomalies. Des déchirures dans le tissu de l'espace-temps. J'ai eu ton message. Viens-en au fait. Je crois que ce sont les endroits où sont arrivés les doubles. Celui-là pourrait être la source du transfert. L'insurrection. Je ne sais pas encore. C'est juste une hypothèse. Superman se fiche des hypothèses. Il veut des faits. Pourquoi me déranges-tu avec ça? Envoie les coordonnées à Flash. Il sera le plus rapide pour aller voir sur place. C'est fait. Y a-t-il un... Belle investigation. Mais c'est trop tard. Quoi? Tu ne m'aimes pas? Je te fais donc de la douleur. Facile. Tes tactiques sont unidimensionnelles. Oui, en effet. Je savais que ton lasso ne te tiendrait pas longtemps. On t'a offert une chance, Deathstroke. Tu aurais dû la saisir. Et perdre une occasion de me battre contre le bouche-trou de Superman? Comment oses-tu? Je suis une Amazone. Une race surannée, aux techniques prévisibles. Essaie de relever le niveau. Surprends-moi. Tu n'es pas de taille. Je fais donc de la douleur. Je ne suis pas impressionné. Cyborg, je l'ai. Amène-moi à Luthor. Bien reçu. J'espère que ça vaut le coup. Batman, t'es prêt? On n'a plus que 45 minutes. On est en position. Lancez l'assaut. Ils sont là!
approche. Restez vigilants. Bonjour, Bruce. Tu es toujours aussi bel homme. Arrête, Selina. Je regrette, Bruce. Je me suis alliée à lui pour te protéger. Il m'a dit que si je l'aidais à te trouver, il... m'épargnerait. Je ne l'ai pas cru, mais on y a gagné du temps. J'ai fait diversion. Maigre consolation pour ceux qui sont morts à ma place. Bon sang, Bruce! Tu n'as aucune idée de ce que j'ai... Tu crois vraiment que je suis là par hasard? Allons-nous-en. Nous pouvons vivre loin de lui. Vivre ensemble. Il n'y a plus de nous, Selina. Salaud. J'ai une mission à finir. Tout comme moi. Je vais griffer ce beau visage. Ma patience a des limites. Tu as choisi le mauvais camp, Selina. Il t'a recueilli, entraîné. C'est vrai qu'il peut être pénible, mais de là à le trahir pour Superman. Je ne suis pas Dick Grayson. C'est Damian Wayne. Wayne, son fils. Mais Superman a été plus un père pour moi que tu ne l'as jamais été. Tu as cessé d'être mon fils quand tu as tué Dick Grayson. Il était mon fils. Je suis plus jeune et plus rapide. Et un assassin. Tu es mort pour moi. Wayne. Allons-nous-en. Alors c'est toi la cause de toute cette agitation. Je pourrais en dire autant de toi. Je peux rien faire. La prochaine pourrait faire mouche. Raven. Raven, arrête! Je m'excuserai plus tard. Raven, montre-toi! Pas un mot de tout ça aux autres. Doucement, mon grand. Tu peux marcher?
Fais-le sortir. Je ne te laisserai pas. Dépêche-toi. Regardez qui voilà. Mettons un terme à l'insurrection. Superman l'ennemi, Hal. Pas moi. C'est à ce moment-là qu'on disparaît. Merde! Tu pensais pouvoir me duper, Bruce? Comme lui? Il ne s'agit pas du Joker, mais de toi. J'ai perfectionné ce monde! Tant de vies ont été perdues parce que je n'ai rien fait au lieu d'utiliser tout mon pouvoir! Pourquoi? Contrôler? Oppresser? J'aurais pu préserver Metropolis, sauver ma famille! Le crime a emporté ma famille aussi, Clark. Mais ce n'était pas toi, l'arme. Maintenant. La tour de garde. Superman, c'est terminé. On a encore peu d'informations sur l'île de Stryker. Les forces de l'insurrection l'ont attaqué il y a 90 minutes. Quoi? André est sur place? On retrouve André Garcia en direct. André? Merci, Rob. C'est le chaos ici. Le haut conseiller Superman et les forces de Terre Unie affrontent en ce moment une armée de créatures marines géantes. Les méta-humains résistent, mais l'armée régulière est en déroute totale. Batman étant en prison, a-t-on une idée de qui peut mener cette attaque? Aucune idée. Nous ne pouvons pas le voir d'où nous sommes. Les créatures ont-elles franchi les défenses de la prison? Je ne crois pas. Pour l'instant, les combats se concentrent sur le périmètre de la prison. Fermeture de l'armure. Oh, André? Oh, mon Dieu. Activation du noyau. Contrôle des systèmes de vol. Système paré. Connexion établie. Schéma de commande neurale en ligne. Ah!
Évaluation des dégâts. Énergie épuisée. Lancement de la recharge solaire. Propulsion HS. Combien de temps ? Restauration totale dans 15 minutes. Bon sang. Humpty Dumpty s'est pris un camion. Humpty Dumpty a vraiment l'air d'un... J'adore la couleur. Ça fait ressortir tes yeux. C'est plutôt chouette. Si vous ne voulez pas voir Superman l'emporter, dégagez. Tous les deux. Tu essaies de battre Superman ? Ton meilleur pote ? Un mensonge. Inventé pour pouvoir aider l'insurrection. Eh bien, et si on partageait ? Sois gentil, veux-tu ? Aide Monsieur Luthor à enlever mon armure. Tout de suite, chérie. Je ne crois pas. Ça va t'éclairer. Rends-toi service, Arline. Ne l'approche plus. Pas de démission. Je la vire. Je ne supporte plus ton odeur de défaite. Quoi ? Oh, ne t'en fais pas. Les indemnités de licenciement sont larges. Joker ! Non, non, va sauver le monde ! Je m'occupe de ça. Tu me remercieras plus tard, Arline. Peut-être que Superman avait raison à ton sujet. Tu voulais me tuer ! Je vais effacer ce sourire de ton visage ! Arline, non. Il allait me... J'arrive pas à croire que je me sois encore fait avoir ! Il savait exactement comment s'y prendre. Tu n'y es pour rien. Il est comme ça. Doucement, les gars, il est des nôtres. Contrairement à lui. Occupe-toi de lui. Enferme-le bien cette fois. Je vais faire mieux que ça. Les gars vont semer la pagaille. Occupe-toi de Superman. J'ai ce qu'il te faut. Green Lantern, aide Wonder Woman. T'es sûr ? Je m'occupe de ces deux-là. Fonce ! Oh!
ta ceinture en métal Emph. Donne-la-moi. La source de mes pouvoirs, tu rêves. Je te donne une chance. On peut en finir sans verser de sang. Trop tard. Tu as perdu, Hawk Girl. Aucune chance. T'es pas un guerrier. Je suis bien plus que ça. Je l'avais dit, aucune chance. Depuis quand t'es avec eux? Depuis que Superman a décidé de nous mener comme des moutons. Superman ne veut que notre bien. Nous ne sommes pas ses jouets. Et ce n'est pas un dieu. Rien de bon ne ressort de l'idolâtrie. Statut. Circuit interne endommagé à 60%. Vol désactivé. Encore? Qu'est-ce qui m'échappe? La tour de garde? Affirmatif. Des victimes? Tout le personnel a bien été évacué. Superman a été pris dans l'explosion, mais il n'a rien. Eh bien, que la chance sourie aux imbéciles. Superman ! C'est terminé ! Arrivée prévue, 12 secondes. Je le vois. Portée maximale des armes, 1500 mètres. Verrouillage de la cible dans 7 secondes. 5 secondes. 1 seconde. Je te faisais confiance. Tu m'as trahi. Qui a trahi qui? J'ai apporté la paix. Ta paix. Ta paix. Est un mensonge. Thank you.
Les doubles. Ils ont créé une insurrection. Nous devons éliminer cette vermine. La contestation mène à l'anarchie. Nous ne devons pas les laisser faire. Je les ai sauvés. Protégés. Est-ce qu'ils sont reconnaissants? Est-ce qu'ils apprécient ma protection? Non. Ils se plaignent, se lamentent, s'allient à ces criminels. S'ils préfèrent le chaos, je vais le leur donner. Métropolis et Gotham, je vais les raser. Elles serviront d'exemple. Ensuite, je découvrirai la dimension d'où viennent ces doubles. Ils paieront pour être intervenus. Attends, on va raser des villes entières? Envahir des mondes dans d'autres dimensions? Ça te pose un problème, Billy? Ben... ouais. C'est de la folie. Ça va trop loin. Le monde des hommes ne peut pas s'autogouverner. Nous devons préserver l'ordre. Non! Non! Il doit y avoir des limites. Même pour nous. Surtout pour nous. Ça suffit! On ne peut pas faire ça. Vous êtes devenus fous. Lois Norris... Quelqu'un d'autre? Cyborg, Raven, vous allez prendre le contrôle des médias. Je veux que tout le monde voit ça. Wonder Woman, Hawk Girl, Adam, venez avec moi. Sinestro, mobilise tes forces au sol. Lanterne, Flash, préparez Doomsday. Emmène-le dehors. Grundy creusé trop. Grundy enterré. Il avait raison. On n'a pas signé pour ça. On a fait notre boulot. On a éliminé le crime. Billy n'était pas un criminel. C'était... dommage collatéral acceptable. Acceptable ? J'ai voulu me convaincre qu'on améliorait les choses. Mais c'est faux. Je ne peux pas continuer. J'arrête. Tu as envie de mourir? C'est trop tard. Parle pour toi. Au revoir, Al. Tu ne peux pas partir. Barry, ne m'oblige pas à faire ça. Pas laisser le choix, Al. Hey, toi, faire quoi, homme chef? Grundy écrasé, petit amoureux! Laisse tomber, Grundy!
J'ai jamais été fan des zombies. On va faire un détour. Ceux que j'ai réunis ici sont l'élite. Les soldats les plus braves et les plus forts de cette planète. Ceci est une mission héroïque. Elle requerra que vous transcendiez votre humanité. Incarnez les valeurs les plus hautes de Terre Unie. Obéissance. Ordre. Contrôle. Ceux qui contesteront les ordres du Haut Conseiller, ceux-là seront exécutés sans scrupule, ni hésitation. Ce type aime s'entendre parler. Escadron, rassemblement! Maintenant, Sinestro, assez parlé. Oui, en effet. Déserte, Flash. Le moment est mal choisi, non? Tu as raison. J'aurais dû faire ça il y a longtemps. Pas te laisser comme ça. Je vais prévenir les insurgés. Qu'est-ce que t'en dis, bel oiseau? Toujours parfait? Bon sang, Oli, c'est bien toi? En personne. Où est Batman? Mon Batman? Il est quelque part à n'assassiner personne. Oh, arrête, Oli, tu ne peux pas me toucher. C'était pas le but. Pour être rapide, faut penser vite. Ça suffit, Oli, je suis de ton côté. Il faut absolument que tu m'écoutes. Écoutez-moi, Gotham et Metropolis vont disparaître. Ensuite, il s'en prendra à notre monde. J'arrive pas à y croire. C'est de la folie. On doit l'arrêter. Ça va être un sacré combat. Non. Je vous ai fait venir pour l'arme à Kryptonite. Et ce plan a échoué. Rentrez chez vous. Je détruirai le transporteur interdimensionnel après. Ça ne l'empêchera pas de venir. Ça vous laissera le temps de vous préparer. Luthor s'est sacrifié pour nous. On ne peut pas le déshonorer en partant. Il y a une solution. On amène notre Superman. On termine ce combat. On a assez d'un Superman dans ce monde. Il n'est pas comme le vôtre. Ne vous laissez pas envahir par vos émotions.
Seigneur Hydra, tu apprendras à le craindre. Pourquoi Superman t'a épargné, Bane? Il apprécie mon savoir-faire. Je vais te briser comme une allumette! Voyez comme elle t'a le corazon. Tu n'es pas de taille. Remercie Athéna pour ma pitié. La prison aurait dû t'apprendre la valeur de la pitié. Peña Dura ne m'a appris qu'une chose. Mieux vaut être craint que respecté. Temiscira? Comment est-ce? C'est moi qui t'ai amené ici. Toi? Je n'ai pas de temps pour tes intrigues. Calme-toi, je te prie. Nous avons beaucoup à parler. Tu as peut-être dupé ma mère, Arès. Mais je n'écouterai pas tes mensonges. À présent, Arès, renvoie-moi là-bas. Diana, tes amis survivront à leur petite bataille. Mais si tu veux vraiment les aider, écoute-moi. Parle, et tâche d'être bref. Nous devons faire sortir le transporteur. S'il est endommagé, vous ne rentrerez jamais chez vous. Oui. Je connais le plan de Superman. Tu ne m'apprends rien. Mais sais-tu comment il compte mettre son plan à exécution? Pas encore. Si tu ne m'avais pas amené ici... Par Aphrodite. Choquant, n'est-ce pas? La grande armée Amazon, prête à envahir tout un continent. C'est impossible. Comment a-t-elle... Si seulement quelqu'un pouvait l'arrêter... Pourquoi voudrais-tu que je fasse ça? Le conflit pourrait te rendre tes pouvoirs. À court terme. Si Superman assoit sa suprématie, le conflit qui alimente mes pouvoirs s'éteindra à jamais. Je pourrais te remercier, Arès, si tu n'agissais pas encore dans ton propre intérêt. Inutile. L'ennemi de mon ennemi... Nous ne sommes pas amis. Nous avons un intérêt commun, pour l'instant. J'ai besoin... Tu as été repéré. Je te laisse travailler. Arrête de les insurger. En termes de stratégie, ce n'est pas Athéna. Ton apparence trahit ton allégeance, Raven. Tu es au service de Trigon, pas de Superman. Je les sers tous les deux. La victoire de Superman hâtera le retour de mon père. Et tous se prosterneront devant lui. Help!
Ne compte pas sur le retour de ton père, Raven. Hâtez-vous, mes sœurs. Nous levons l'ancre dans l'heure. Emportez ça sur l'Athéna, Sloop 51. Ensuite, allez sur la jetée sud. L'équipe de Mora a besoin de renforts pour un transfert d'armes. Allez ! Diana ! Rappelle ton armée ! Elle ne soutiendra pas la folie de Superman. Tu n'as aucun pouvoir, usurpatrice. C'est moi qui commande. Tu déshonores les Amazones. Nous devons tempérer la violence humaine, pas y contribuer. Après Metropolis, Superman m'a ouvert les yeux. Leur violence ne peut être tempérée, seulement étouffée. En tuant des innocents, comme Zeus avec Hippolyta, Superman se sert de toi. Tes Amazones doivent être bien vulnérables avec une reine comme toi. Nous devons rendre service. Aider les innocents. Sauver des vies, amis ou ennemis. C'est notre rôle. Tu me sermonnes sur ce que signifie être une Amazone. Je ne te sermonne pas. Je te destitue. Idiote égarée. Tu veux que les Amazones soient faibles? La discrétion est une force. Reconstruisons ce que nous avons détruit. Halte, mes sœurs! Halte! Je ne suis pas de ce monde, mais je suis une Amazone. Et je vous le dis, ceci est folie! Notre rôle est d'unir les peuples du monde. D'apaiser la colère des hommes, de la vaincre, par la compassion et l'amour. Elle a laissé un homme imposer sa colère à une planète tout entière. L'a laissé être consumée par ses passions les plus sombres, plutôt que de l'extraire à son désespoir. Mes sœurs, revenons ensemble du bon côté de l'histoire. Partons au combat, mais pour protéger l'humanité, et non pour la détruire. Nous sommes des Amazones. Nous sommes là pour sauver les hommes. Absolument. Quand j'aurai terminé, vous rentrerez tous. Tu sais, je comprends. Comme toi, j'avais prévu le jour où mon Superman perdrait le contrôle. Mais sans aide, tu mourras. Et l'insurrection avec toi. C'est peut-être mon destin. Nous ne croyons pas au destin. C'est mon monde, mon combat. C'est devenu le nôtre quand tu nous as fait venir. Ah!
Descends un peu. Ici, on perd du temps. Tu fais une grave erreur. Tu nous as fait venir car tu avais espoir. L'espoir que l'on porterait les valeurs que tu as défendues corps et âme. Alors crois en nous. Crois en toi. Et finissons-en. Tu ne sais pas comment ça marche, avoue. J'espérais que tu ne t'en rendes pas compte. On doit commencer. Des innocents meurent. On s'occupe des autres. Concentre-toi sur leur Superman. On va le faire ensemble, pour éviter les pertes. Ensuite, Superman. Doomsday va poser problème. Dommage collatéral. Je devrais mener ce combat ailleurs. Autre chose ? Je sais que ce n'est pas tout à fait exact, mais c'est bon de t'en trouver. Ça suffit, Black Adam. Si Kandak existe ici, tu peux rentrer chez toi. Superman a calqué son gouvernement sur le mien. Aucune insurrection n'est tolérée. Tu n'es pas mon égal. Tu as assez fait de mal. Ça te retiendra assez. Pas si super, n'est-ce pas? C'est ta chance de faire le bien. Saisis-la.
puissance d'Atlantis. Oui, nous sommes prêts. Tu n'es pas le bienvenu. Je peux rivaliser. Ou presque. Que vous le vouliez ou non, vous avez besoin de moi. Superman, on a brisé leur rang, ils reculent. Bien. Quand on les aura repoussés, il faudra de l'aide pour soigner les blessés. Je déploierai une légion aussi vite que possible. Merci, Diana. Avec toi, tout semble facile. Occupons-nous d'abord de ça. On verra si c'était facile. Il faudra que... Alors tu vas être déçu. Nul ne peut m'arrêter. J'ai déjà réussi. La fin du monde attendra. Je savais qu'il finirait par te faire venir. Tu n'as rien à faire ici. Mon devoir ne se limite pas aux frontières de ma dimension. Je suis le sauveur de ce monde. Je le protège. C'est ce que tu crois faire? Les protéger? Les enfants désobéissants seront punis. Des enfants? Tu n'es pas un dieu, ce n'est pas à toi de décider qui doit vivre ou mourir. J'ai ce droit! Je l'ai depuis que Joker m'a transformé en arme de destruction massive! Je sais ce que tu ressens. Et tu me juges? Quand je t'aurai tué, j'amènerai Loïs ici. Quand elle verra à quel point j'ai perfectionné ce monde, elle sera effrayée et écœurée. Elle sera en vie! Sa mort ne justifie pas... Il me l'a volé! Tu as volé la liberté de ce monde! Il est temps de la lui rendre. Ah!
Ton règne est terminé. Tu ne terroriseras plus les habitants de cette planète. La peur est la seule chose que comprennent les gens. Un jour, tu le sauras. Les complices de Superman ont été pris, ou se sont rendus. Maintenant, il faut rétablir l'ordre civil. Le gouvernement provisoire a fort à faire. Nous l'aiderons s'il le veut. Merci, mais non. Les gens doivent savoir qui dirige, et pas nous. Alors tu n'as pas changé d'avis? J'apprécie l'offre du président, mais je n'ai pas ma place au gouvernement. Aucun de nous. Tu penses que Batman a de l'avenir ici? Le crime et la corruption reviendront. Oli m'aurait trouvé pessimiste. Je suis juste réaliste. Et votre Superman? Il sera jugé. Avec ses complices. Il avait raison. À quel sujet? Dans la même situation, j'aurais peut-être fait pareil. On ne sait jamais de quoi on est vraiment capable. J'espère pour ton monde que tu ne le sauras jamais. Garde bien ça à l'esprit. Quoi? S'il se passe quelque chose, et que ça t'arrive, je m'occuperai de toi. Il faudra faire la queue.